Qui a créé cette richesse de forme? Qui a rendu tangible la vie humaine fragile de façon si intense? La réponse est Josephus Hermanus de Köper, nommé Hermann de Köper. Hermann de Köper est né à Blaasfeld le 22 novembre 1904. Il passe sa jeunesse à la chaussée de Malines au sein d'une famille de 7 enfants. La maison parentale Grunhof, qui existe toujours, fut construite par le cordonnier Karl de Köper et ses 4 fils après la Première Guerre mondiale. Hermann suit l'enseignement primaire jusqu'à l'âge de 10 ans dans son village natal, près de Willebroek. La Grande Guerre met soudain fin à sa jeunesse insouciante et à ses études. L'envie de développer ses talents artistiques persiste. Le jeune artiste a la chance de satisfaire ses ambitions jusqu'au service militaire. Philomena Albrecht, une jeune fille de Willebroek, avait 19 ans quand elle a rencontré son futur époux. L'artiste fera régulièrement des portraits à l'argile, au crayon ou peint de sa fiancée. Un superbe portrait en buste nous montre une jeune femme fardée avec chapeau cloche qui semble attendre l'arrivée de son amant. Durant la belle journée d'été, les jeunes amoureux se promènent avec des amis dans le parc naturel proche de Broek. Le couple se marie en 1933. Grâce au mécénat de Mademoiselle Elsa Gevaert, le sculpteur peut construire une maison avec atelier pour y héberger sa famille de plus en plus nombreuse. Il y passera toute sa vie et y travaillera jusqu'à sa mort. Hermann de Köper a fondé une grande famille. De ses 9 enfants, 8 dont 6 filles et 2 fils sont restés en vie. Célestine, Marie-Paul, Lutgard, Karl, Frida, Greta, Rita et Chris 7 ans plus tard. Ik ben Chris. Et mon père vertelde me graag het verhaal dat zijn kindertekening. Je m'appelle Chris. Mon père se plaisait à me raconter que ses dessins d'enfants étaient suspendus au tableau de la classe de maternelle par les religieuses afin qu'ils servent d'exemple aux autres enfants. Ses yeux distinguent, dans le jeu d'un nuage changeant pendant un crépuscule d'été, une série de petites peintures colorées. Il privilégie les matières dites primitives telles que le charbon, le crayon ou la craie pour ses dessins sur papier ou sur carton. Plus encore, il considère l'art de dessiner comme la base par excellence pour chaque œuvre plastique. Sans ce fondement, une création d'art valable n'est pas possible. C'est pourquoi il dessinera toute sa vie. Sa sœur Émilie nous confie ses souvenirs grâce à un document retrouvé après sa mort. Pour elle, son frère était à la fois songeur et bagarreur et toujours un peu solitaire. Il aimait dessiner l'instituteur au tableau dans toutes les poses. Il modelait ses camarades de classe dans de la boue ou taillait leurs visages dans de grandes pommes de terre ou des betteraves. Certains enfants montrent une prédisposition artistique dès leur plus jeune âge. Ce fut le cas de Hermann de Köper, qui manifestait très tôt le besoin de s'exprimer à travers des lignes, des couleurs et des formes. Cependant, exprimer la réalité en 3 dimensions n'est pas chose évidente. Cela exige une aptitude spécifique que l'on ne perfectionne qu'en la pratiquant. Transformer des matières malléables et façonnables en statuettes, en masques et en portraits d'amis était un des fondements majeurs d'un genre que l'artiste retouchera
durant toute sa vie comme créateur de portraits et de bustes décoratifs. Avec la permission de ses parents et sur recommandation de son instituteur, mon père s'inscrivit à l'Académie de Malines à l'âge de 16 ans. Entre 1920 et 1923, il bénéficie d'une formation à part entière de sculpteur et d'artiste peintre en vue de se perfectionner à l'école professionnelle municipale en qualité de sculpteur décorateur de meubles en attendant son service militaire. À cette époque, Malines était un important centre de production de meubles en quête artisan. L'école municipale prévoit les artisans qu'il faut et fournit les meubles de l'hôtel de ville. Sous l'œil vigilant d'Émile Bourgeois, Herman de Keuper sculpte un caisson destiné au cabinet du maire. La décoration de ce meuble réfère à la pré-Renaissance italienne. Sur la face avant du caisson, on aperçoit deux animaux fabuleux tenant une cartouche aveugle. Les parois latérales sont décorées avec des arabesques. La frise en bois massif au poutil dansant est un éventail de mouvements corporels et de nus d'enfants. La guirlande de fruits qu'il porte accentue l'unité de la composition. Le grand talent de l'étudiant d'académie de 16 ans est immédiatement remarqué par son plus grand maître Théoblix. Il donne à Herman des cours privés dans son atelier à son domicile et le façonne sculpteur en 2 ans. L'artiste en herbe apprend à travailler l'argile chez Blix et à l'académie chez Rick van Perck. Le traitement de l'argile est impressionniste et parallèle à la façon de travailler de Rodin. Herman apprend également à convertir des modèles de plâtre en matière plus durable avec le compas à pointe. Herman suit des cours de peinture chez le directeur Jan Willem Rozier. La toile d'Elzicht, une grande peinture à l'huile sur toile, où l'artiste rend hommage à la ville où il a étudié pendant 3 ans, et le portrait pastel qu'il a fait de sa mère malade et qui lui a valu le prix Langbein en 1923 sont un parfait éventail de son talent. Le monument le plus important de la première période lyrique impressionniste du sculpteur se trouve à Bornem. Avec le monument de la guerre des paysans de son professeur Rick van Perck, ce monument de guerre complète le secteur nord de la place Cardinal Mercier depuis 1934. Le Christ en bronze au-dessus illustre le style de modelage généreux et le groupe inférieur reflète sa transposition en pierre bleue. Les relations de l'artiste avec les milieux catholiques flamands d'après-guerre ont mené à une série de portraits imposants de personnes éminentes. La femme politique Maria Baars et son frère, le prêtre bibliographe Joris Baars. Le prêtre poète Jan Hamenecker, promoteur de l'association Lutgardis en Flandre, devient le principal mentor spirituel du sculpteur et veille aux premières commandes d'œuvres religieuses. Un autre personnage important est le chef de file de la jeunesse Ernest van der Hal et le dramaturge Anton van de Velde, inspirateur du théâtre populaire flamand. La série commence en 1930
par le portrait en buste de Guido Gezelle qui sera répandu plus tard par le Davidsfonds. Devant le château Bel Air de Willebroek se trouve le buste en bronze de Jan Neutjens. Cet ami de jeunesse du même village et poseur du sculpteur est parti avec lui à Paris avec une amie. Le musée était visité durant les jours de la Pentecôte en 1938. Hermann fut particulièrement touché par le musée de Cluny et ses sculptures moyenâgeuses qui ont marqué à vie sa vision sur l'art religieux. À la fin des années 30, Hermann de Koepper acquiert une maturité artistique et une personnalité traduite par son propre langage imagé. Pour lui, la meilleure façon d'engager ce langage de forme est la taille directe dans la pierre et le bois. Cette technique a permis à l'artiste sculpteur de styliser la matière, la forme et le contenu dans des formes pures. Le concept du processus créatif allant de la première esquisse au concept de base jusqu'au résultat final en pierre devient clair avec les grands cycles religieux de Kalfort et Ruysbroeck. Il existe encore quelques dessins conceptuels et d'esquisses en plâtre du rosaire de Kalfort. Ils nous permettent de découvrir le laboratoire de création du créateur de ce cycle marial datant de 1951-1952. On retrouve le plus ancien chemin de croix en l'église Sainte-Catherine de Beaume. La croix du triomphe, ainsi que les 14 stations en bois de chêne, avec bas-relief historié, ont été engagées en 1939. Les scènes représentant portent les traces d'un expressionnisme rigoureux. On rencontre le même modelage sévère et austère dans la statue grandeur nature de Lutgarde que le prêtre poète Jan Hamenecker a commandé pour sa petite église de Westrode en 1931. L'œuvre se trouve actuellement en l'église paroissiale de Metz. La main du Christ agrandi sur la tête de Lutgarde est d'une grande originalité. La thématique religieuse dans son œuvre est richement élaborée avec d'innombrables variations en bois, en pierre et en céramique. On y retrouve des Pietà et toutes sortes de figures saintes, Saint François et d'autres grands saints tels que Saint Lutgardis et Saint Christophe passent à la revue. Bien entendu, le Christ souffrant occupe une place centrale. Les plastiques comprennent des têtes évocatrices, des bustes du Christ et des Christs sur la croix. Ils privilégient la taille
dans le bois de grosses branches de chêne tordues. Hof ter Zielbeek à Ruisbroek nous fait découvrir le chemin de croix en plein air le plus important de la main de Herman de Kuyper. Cette œuvre a été sculptée directement dans des plaques de pierre bleue à partir de petits dessins entre 1942 et 1944. Les personnages deviennent vivants sur fond neutre dans un relief plan et linéaire. La force d'imagination visionnaire est basé sur l'expressivité du visage humain. Le dernier grand monument commémoratif que de Kuyper a pu réaliser en 1957 est celui du prêtre-poète Jan Hamenecker à Marekerke-sur-Lescaut. Avec Marie et Jésus à ses côtés, le poète se trouve sur une barque de pêcheurs entourée d'un filet regorgeant de poissons. Cette œuvre est une synthèse en pierre artificielle de la vie et du travail du poète chantant Lescaut. Dans la petite église, on peut découvrir la première commande d'œuvres religieuses que de Kuyper a eue par l'entremise de Hamenecker au début de sa carrière. Saint Job est agenouillé sur son tas de fumier et frappe humblement sa poitrine de la main. Le tailleur de bois de 26 ans a ciselé cette œuvre dévotionnelle avec un sens du détail et une maîtrise hors pair. La collection du musée offre un aperçu de l'œuvre variée en matériaux et techniques diverses. Bon nombre de plâtres vulnérables de la première période lyrique impressionniste ont été détruits par une bombe V1 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Charlintje, un nu d'enfant de 1932, constitue le point fort de l'œuvre sculpturale de l'artiste. Le modelé lisse chasse la touche impressionniste et confère plus d'élasticité à la peau fragile. Parmi les figures de femmes vêtues grandeur nature, on trouve une étude de figure de sa sœur cadette. L'émancipation est une expression de la jeune femme libérée. Johanna de Wyn Killy retrace un moment de vie d'une jeune fille qui se promène un livre ouvert en main. Les cheveux courts et les chaussures particulières sont propres aux années 30. Le buste de Jan Neutjens n'est qu'une partie d'un nu masculin grandeur nature qui a été détruit durant la guerre. Le thème que l'intimiste privilégie par-dessus tout est celui de la maternité, que ce soit en bois ou en argile. La mère et l'enfant, dans un contexte profane ou religieux,
constitue pour l'artiste une source d'inspiration inépuisable. Différentes sortes de pierres blanches françaises, du marbre et de la pierre bleue, ont été métamorphosées en tendres étreintes. L'expression du corps supérieur et les expressions faciales suggestives sont une constante. La vue de face domine, tandis que la trace du burin sont volontairement abandonnées. Cette opposition entre l'accompli et le non-accompli, le poli et le non-poli, rendent la contemplation vivante. La masse de pierre impose son caractère et détermine en grande partie la forme qui adopte ainsi une force primaire. Une série de familles en groupe incorpore la trinité de la famille, père, mère et enfant. De Koeper aime le tailler dans du marbre de Carrare qui procure aux parties du corps poli un effet éthéré. Il taille également dans le bois ses figures carrées et imbriquées à l'expression sublimée. Comme la pierre, elles sont polies et pourvues d'une patine. Elles incitent le spectateur à la contemplation. L'union entre l'homme et la femme dans le mariage a pu être littéralement concrétisé dans du bois concave. L'intérieur dévoile une silhouette de femme taillée, tandis que la face extérieure révèle son partenaire masculin. Herman de Koeper était le sculpteur par excellence des grands moments de la vie. Il savait comme personne reproduire l'accouplement en céramique de façon sublime. La structure stylisée à nouveau demande dans sa monumentalité un agrandissement à l'échelle. Le thème de la grossesse fut une constante dès le début. Il s'agit généralement de figures enceintes fêtues en position debout. La colombe sur les genoux indique qu'il s'agit d'une madone enceinte. Un des chefs-d'œuvre de ce genre est une sculpture en marbre. Le bloc est respecté le plus possible et le corps est suggéré par un jeu abstrait de plis de robe. Le visage, serein et légèrement incliné, semble être emporté dans une ivresse. Avec cet ouvrage, datant de 1937, Herman de Koeper est à l'apogée de sa carrière d'artiste d'œuvres religieuses. La transposition plastique de l'accouchement a conduit à une série de nus féminins couchés ou accroupis. Les nus féminins lardent de toute son œuvre. Ils sont modelés au gré de la pierre ou taillés en bois. Thank you.
Le canon va du torse jusqu'aux silhouettes féminines sveltes et raffinées. Une pomme indique quelquefois la discrète présence d'Ève. Pour la taille directe, le concept à forme fermée frappe à nouveau. Celle-ci souligne la pudeur physique de ces nus adolescents. Herman de Kuyper a réservé dans son art une place centrale au monde de l'enfant. Avec les sculptures « La mère et l'enfant », cette thématique rejoint sans détour la tendance animiste dans l'art belge. Le portrait de ses propres enfants constitue un véritable temps fort artistique. La similarité et l'idéalisation sont sublimées dans des formes pures. La spiritualisation de la matière, ultime objectif du plastique, est ainsi atteinte. Rien que pour ce fait, Herman de Kuyper occupe une place unique dans l'art sculptural de l'entre-deux-guerres en qualité de sculpteur intimiste.